Gava, Etobu sont tirés, transformés en but par une jambe normande. On est à la 57e minute, les Nancéiens ont besoin d'un traître pour inscrire le premier but, le seul d'ailleurs, un but en or, il vaut 3 points, ou plutôt une jambe en or. La chance sourit une première fois à Nancy. Ça n'a pas toujours été le cas. Le tir de Mousseline n'aurait pas dû être dévié par le gardien. Zitelli sert Gava. Son lobe aurait dû être plus ajusté. Pas de réussite ici encore quand Zitelli sert la tête de Stéphane qui échoue de peu. Mais attention au contre des Rouennais, dur à stopper. Deplanche veut donner en retrait à Matriciano, sorti de sa cage. Grosse erreur. Roux a vu Solois seul devant le but. Vide. Colossal ratage du Normand, la chance encore pour les Lorrains. Mais que d'occasions ratées, plus d'une fois Nancy touche au but. On construit bien. Gava a fait du beau travail tout seul, trop seul peut-être. Nicolic était bien placé. Et même quand l'adversaire fait l'erreur, on rate l'occasion. Le chevalier perd la balle, Nancy n'y gagne rien. Parfois c'est une question de centimètres, Zitelli n'avait pas son compas ce soir-là. Quand il peut tirer, Stephen tricote dans la surface. Les Nancéiens nous ont refait le match des occasions manquées, comme à Guingamp. On a manqué de tonus, je crois qu'on a manqué un petit peu de fraîcheur physique, surtout dans les derniers gestes et devant les buts. Et c'est un petit peu ce que je disais à la fin aux joueurs, je crois qu'on a manqué, on n'a pas véritablement explosé dans les phases de finition et par certainement un manque de lucidité. On a un manque de réussite hein, devant et puis bon, encore vu ce soir, on se crée des occasions, c'est très important de les créer, mais malheureusement on n'arrive pas à les mettre au fond. C'est facile. Des tribunes, derrière moi, des spectateurs, des dirigeants disaient, même moi je le mettrais. Bon, c'est facile à dire, mais si des joueurs les ratent, c'est qu'il y a une raison. Les spectateurs, eux, n'ont pas cherché la raison. Heureusement, il y a eu le but de Gava en deuxième mi-temps, on se le repasse pour faire riche. Les Rouennais sont piqués au vif et Solois veut expier sa faute, mais Matriciano est à la parade. Et à Nancy, on dégage comme on peut. Dangereux aussi sur coup franc les Normands, Matriciano.